Jessica Thévenin, la blonde super bancable des Marseillais de W9, est extrêmement vexée. Elle vient en effet d'apprendre que la marque de luxe Louboutin ne souhaitait plus être associée à l'univers de la télé-réalité et qu'elle comptait empêcher les candidats de porter ses fameuses chaussures à semelles rouges lors des tournages. À lire aussi Prince Harry et Meghan Markle, leur gros coup de fatigue pendant le mariage Paulet Perrette, NCIS, son énorme coup de gueule contre les médias, et pieds et lacets, son coup de gueule et pieds et lacets, son coup de gueule, Cyril Lignac, en couple, et pieds et lacets, son coup de gueule. Nini 2, la chérie de Thibaut Cureau qui s'apprêtait justement à partir en tournage, a saisi son smartphone pour s'adresser à ses nombreux abonnés. Je viens de recevoir un message, je suis choquée. Ma production nous dit la société Louboutin, nous a assigné en justice car elle considère que la présence de ses chaussures dans nos programmes nuit gravement à son image de marque, a-t-elle commencé. Et de poursuivre très agacée, qu'on n'ait plus le droit de les porter, je trouve ça minable. Parce qu'il faut être quelqu'un pour porter ta paire de chaussures? Si t'es pas un mannequin, t'as pas le droit? Si t'es pas quelqu'un de connu, qui n'a pas une bonne image, t'as pas le droit? Il faut être qui, en fait? Il faut pas être boulanger, il faut pas travailler à l'usine, il faut pas faire de télé-réalité, il faut pas faire quoi, en fait? Il faut que tu nous dises parce qu'on sait plus. Et moi, personnellement, je ne vais pas les jeter. Je les ai payés, ça coûte quand même un vrai budget pour ceux qui connaissent les prix. Je les mettrai de temps en temps, mais je n'en achèterai plus des nouvelles, à moins qu'un jour on décide que je suis quelqu'un pour porter ces chaussures. Non mais la blague, j'ai jamais vu ça. Et j'irai en tournage et sans semelles rouges.